Voici sur le circuit des Amériques, au Texas, aux États-Unis, pour le début d'une course qui s'annonce passionnante. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route, par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le Grand Prix des États-Unis. Il restera après celle-ci trois courses dans cette saison 2016 de Formule 1 pour découvrir le nom du champion du monde. J'espère que vous allez bien. Petit aparté avant de plonger au cœur de l'action. Sachez que cet épisode a été un peu tardif à sortir. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement perdu mon pédalier qui ne fonctionne plus. J'ai donc dû trouver une solution alternative et le temps de retrouver un réglage correct, eh bien, j'ai perdu pas mal de temps de tournage. Voilà pourquoi l'épisode de fin 2016 consacré au Grand Prix des États-Unis a tardé à venir. Mais vous êtes patients, je vous en remercie. Et il est désormais là et on va se plonger ensemble dans le week-end américain de McLaren et plus particulièrement de Stoffel Vandoorne. Nous sommes dans la première séance d'essais libres du vendredi matin. Il fait beau, il fera beau tout le week-end, quoique quelques nuages pourraient peut-être venir perturber les choses du côté de la course dimanche. Une voiture qui aura bien évolué tout au long de la saison, qui est en train de faire ses meilleurs résultats. On a frôlé le doublé quasiment à Suzuka, on a été très très proche également du côté de Monza. Et McLaren a tout simplement décidé de stopper l'évolution de cette McLaren MP431 pour se diriger déjà vers 2017 et désormais l'ensemble des points de recherche récoltés par l'équipe britannique seront dédiés à la saison prochaine. Donc la monoplace est actuellement la troisième meilleure voiture du plateau. Sachez également qu'il y a environ 1000 points de recherche de côté à ce stade-ci. On fera également un point à la fin du week-end sur l'état des recherches et développements de chacune des équipes comme demandé par certains d'entre vous. Voilà ce qu'il y avait à dire avant ce Grand Prix des États-Unis avant de partir du côté du Mexique, du Brésil et enfin d'Abu Dhabi. Les écarts sont très serrés en tête du championnat. On fera un point bien évidemment pendant la présentation du Grand Prix. Les résultats de cette première séance d'essai libre, vous voyez qu'on tourne beaucoup en médium et en soft pour les pilotes lors de cette première séance. Sachez que ce week-end seront alloués aux pilotes les pneus médium, les pneus soft et les pneus super soft, respectivement blanc, jaune et rouge. Deuxième séance, celle du vendredi après-midi, toujours sous le soleil, un peu plus chaud d'ailleurs. Eh bien, on passe désormais à la recherche et au développement des pneumatiques. Vous connaissez la méthode si vous nous suivez depuis le début de saison. Vous êtes d'ailleurs très nombreux. On espère que vous serez là aussi pour la deuxième année. Que va faire Stoffel l'année prochaine? On ne sait pas encore. Même si on garde et qu'on récolte les points, peut-être pour rester chez McLaren et se battre pour le titre avant de partir ailleurs. On verra bien. En tout cas, vous allez découvrir comment va se passer d'ici quelques hectomètres. Eh bien, la recherche et le développement des pneumatiques. Une voiture qui évolue donc encore très très bien. Et ce sera désormais donc pour l'année prochaine. Le circuit du Dakota, Texas, présent depuis 2012 au Grand Prix des États-Unis, qui avait été longtemps boudé par la F1 après un Grand Prix notamment en 2006 absolument catastrophique où 6 voitures avaient pris le départ, 2 Ferrari, 2 Jordan et 2 Minardi. Rappelez-vous, seul podium en F1 du pilote portugais Thiago Monteiro. Bref, après cette courte page d'histoire, vous découvrez, voilà, à part un petit point rouge, un petit souci qui a eu lieu lors du 6ème des 7 tours de développement, puisque tout simplement on est tombé sur une voiture qui sortait des box et on n'a pas pu l'éviter. Et donc on a dû donner un petit coup de frein qui aura été quasiment fatal à ce tour-là, puisqu'on échoue je crois à 1 ou 2 dixièmes du temps pivot. Sachez également que suite au souci de pédalier, eh bien, je devrais piloter ce Grand Prix et peut-être même le prochain avec l'ABS, puisque le potentiomètre de la pédale d'embrayage n'est pas le même et que la sensibilité est totalement différente. Et pour éviter des blocages de roues intempestifs, j'ai opté pour cette solution. Veuillez ne pas m'en tenir rigueur, je vous en supplie. On conclut, voyez, voilà, les problèmes de frein. J'étais encore avec mon ancien pédalier à ce moment-là. Voyez le blocage de roue dans le dernier gauche. Mais malgré tout, on arrive à rentrer les données nécessaires. Deuxième séance d'essai assez classique en soft, en médium. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque ça ne vaut pas grand-chose à ce stade-ci.
Troisième séance qui va débuter sous la pluie. La surprise, c'est la séance qui est donc sous la pluie. On ne va pas pouvoir travailler outre mesure. On en conclut donc la troisième séance d'essai libre avec un Fernando Alonso le plus rapide sous les trombes d'eau. Quant à nous, eh bien, on s'est abstenu de sortir du garage. Vous le voyez, pas de chrono pour Stoffel Vandoorne. On va désormais passer au samedi après-midi. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Et vous découvrez donc les objectifs. La troisième place est à récolter aujourd'hui. Les qualifications devraient commencer sous peu ici à Austin, Texas, où les pilotes espèrent tous faire de bons chronos et être prêts pour le Grand Prix des États-Unis demain. Beaucoup de pilotes parlent des défis posés par les brusques changements de direction sur ce circuit, mais il faut également se montrer rapide dans les lignes droites. En tout cas, c'est mon sentiment de spectateur. Est-ce que j'ai tort ? Les pilotes auront besoin d'un véhicule bien équilibré pour s'en sortir ici. Il leur faudra bien négocier les virages plus ou moins rapides, ce qui se jouera avant tout sur l'appui aérodynamique, qui a l'inconvénient de ralentir les monoplaces en ligne droite. Le début de la séance qualificative avec, vous le voyez, l'ensemble des pilotes qui est chaussé en pneus super soft. On ne prend pas de risque en cette fin de saison. Et on veut rapporter les derniers points puisqu'il y a encore pas mal de places à jouer, même si sur le haut de tableau, entre Mercedes et Ferrari, la lutte est quasiment entendue et acquise à la cause de la structure allemande. On verra qui partira avec la couronne de laurier à la fin de la saison. Pour l'instant, la lutte oppose Lewis Hamilton à Kimi Raikkonen. On va voir qui sera le moins malchanceux parce qu'il y a beaucoup de facteurs chance dans cette saison, notamment pour Nico Rosberg qui a été en proie à pas mal de soucis lors des dernières courses. La première séance continue. Vous voyez pour Stoffel Vandoorne, pas de soucis majeurs. Désormais, on évolue avec un pédalier réglé correctement. Donc la voiture est beaucoup plus simple à piloter pour l'ami Stoffel. 1 minute 40 secondes. Vettel est en pole provisoire dans cette séance. Et regardez, en pneus soft, certains tentent toujours le coup. La stratégie sera très intéressante ici. Pourquoi ? Eh bien parce que certains pensent pouvoir faire le Grand Prix avec, écoutez bien, un seul arrêt au box. Mais pour cela, il faudra chausser un train de pneus soft et un train de pneus médium. Si vous chaussez des super soft en Q2, le train qui vous sera alloué si vous passez en Q3, eh bien il faudra d'ores et déjà penser à deux arrêts pour dimanche. Mais nous n'en sommes pas encore là. D'abord, passons à ce qui va se passer en qualification. Vettel, pour l'instant, détrôné par Alonso. Je vous l'ai dit, les McLaren qui marchent très très bien en cette fin de saison, ce qui explique pourquoi elles peuvent se contenter de retirer les évolutions pour cette année et déjà penser à l'année prochaine. Les objectifs seront tenus pour Alonso et pour Vandoorne pour cette saison 2016. En ce qui concerne les transferts, il y aura aussi pas mal de nouveautés, on va en parler dans quelques instants. Fin de la Q1 pour Stoffel, les résultats de cette séance et les pilotes qui sont devant sont les habitués. La bonne surprise, c'est l'équipe américaine Haas qui, sur ses terres, eh bien, met déjà deux voitures en Q2, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Félicitations à la structure américaine. Derrière, deux petites surprises. Julian Palmer éliminé. On attendait mieux de la part du pilote britannique. Et enfin, Felipe Massa et la Williams. Il y a toujours une Williams qui saute en Q1. Et cette fois-ci, ça n'est pas Bottas, mais bien Massa. Le Finlandais Bottas lui est bien passé, comme les 15 autres pilotes. Voilà, on est avec Stoffel Vandoorne qui prend pas mal de marbles dans ce premier virage assez particulier, une butte à virage à gauche en épingle qui sera le théâtre de pas mal d'actions, on l'a vu lors du premier gauche. Au départ ici, des enchaînements très compliqués quand on évolue avec peu d'appui aérodynamique pour avoir une bonne vitesse de pointe. C'est un peu le compromis de ce circuit du quota dessiné par Herman Tilke, l'ingénieur et le dessinateur des tracés de la F1 depuis quelques années. On lui doit pas mal de beaux circuits, pas mal de ratés également. Valencia, le circuit urbain qui a disparu. On devait aussi compter Shanghai, le très joli circuit chinois. Et enfin, le circuit d'Istanbul en Turquie. Désormais, piste d'essai pour différentes marques de voitures de route. Voilà. On est du côté du deuxième secteur, Valtteri Bottas, justement, qui est en discussion avec, une autre équipe pour l'année prochaine. On parle de Renault. Je vous parlais il y a quelques instants des transferts, alors que Raikkonen s'empare de la pole position provisoire. Je rappelle que les 10 premiers pilotes de cette Q2 passeront en Q3. On discute également du côté d'Esteban Ocon, le jeune français qui pourrait se voir promu chez Force India pour l'année prochaine, ou peut-être Pascal Wehrlein, le pilote allemand. Restez attentif pour tous ces changements. Du côté de Williams, il devrait aussi y avoir pas mal de baquets qui bougent. Donc je vous ai dit, Bottas peut-être chez Renault avec Nico Hülkenberg. Force India pourrait perdre ses deux pilotes puisque Perez aussi est en discussion avec Renault. Donc pas mal d'agitation de ce côté-là. On va voir qui optera pour le meilleur baquet l'année prochaine et qui aura les meilleures armes. Voilà,
pour cette Q2. Le tour de Stoffel le met 8e. Il est donc passé tout comme Alonso et son rival Nico Rosberg. Bottas s'arrête là, tout comme les Force India et Romain Grosjean. Les As qui auront donc fait une belle Q2. La dernière séance, ces pneus-ci seront ceux qu'il faut cramer si l'on veut faire le meilleur tour du week-end. C'est ici que les pilotes roulent à vide et vont donner tout ce qu'ils ont pour délivrer le meilleur potentiel de leur machine. Des voitures qui auront bien changé depuis le début de saison. Il y aura eu pas mal d'évolutions et de changements dans la hiérarchie. La dégringolade de Force India par exemple et la montée très impressionnante de Toro Rosso qui devrait l'année prochaine d'ailleurs conserver le bloc Ferrari. On vous en reparlera également. Stoffel Vandoorne pour l'instant dans un très bon premier secteur. Vous le voyez tout de mauve, vêtu sur la minimap. Ça commence bien pour le Belge qui doit réagir rapidement au championnat puisqu'il est pour l'instant solide 4e, mais un certain Sébastien Vettel est toujours à la portée du pilote belge qui devrait normalement se retrouver l'année prochaine également dans cette McLaren Honda. On continue le deuxième secteur. Le verdict au bout de cette ligne droite avec une zone DRS qui devrait être le cadre de pas mal de dépassements lors de la course de demain. Carlos Sainz Jr., le fils du champion de rallye, s'empare pour l'instant du meilleur temps provisoire, mais c'est le début de la séance. Ce sont les premiers chronos enregistrés par les pilotes et souvent ce sont les pilotes les moins véloces qui s'élancent les premiers, laissant la piste gommée au plus rapide. Vettel ne tarde pas et s'empare d'un 1.39.080, ce qui le place provisoirement en pole position de ce Grand Prix. On attend beaucoup de la McLaren de Vandoorne et de la McLaren de Fernando Alonso qui ont montré à quel point elles étaient rapides ce week-end et surtout en qualification. Très belle performance de la part des deux McLaren, mais pour l'instant c'est l'autre Ferrari qui vient prendre la tête. Raikkonen et Vettel pour l'instant sur la première ligne. Le verdict du chrono et Vandoorne qui s'offre la pole position pour l'instant. On va découvrir la fin de cette qualification et vous le voyez malheureusement, ça n'est pas la bonne McLaren qui est en pole pour les fans du pilote belge. C'est Alonso et Vandoorne qui verrouillent pour la première fois cette saison la première ligne de la grille de départ devant Raikkonen. Verstappen s'est intercalé 2012, entre les... Ce « je t'aime, moi non plus » entre les États-Unis et la F1 semble s'apaiser avec la réalisation de ce magnifique circuit ici au Texas. Depuis, nous avons assisté à des courses incroyables dont ce Grand Prix décisif démarrant sur une piste mouillée en 2015. Nous voici aujourd'hui dans le comté de Travis au Texas où se trouve un circuit magnifique doté de 20 virages et permettant des vitesses de 320 km/h. Pied au plancher sur 60% de sa longueur et de nombreuses possibilités de dépassement, surtout avec les deux zones de DRS du virage 1 et la longue ligne droite avant le virage 12. Quelle course nous allons vivre aujourd'hui ? Je suis aux côtés de Nicolas Martin aujourd'hui, ravi de vous revoir. Alors, dites-moi, pourquoi pensez-vous que ce Grand Prix a rencontré un tel succès depuis son retour au calendrier en 2012 ? Eh bien, tout le mérite revient aux promoteurs de la course. Ils organisent un Grand Prix dans une partie du pays où le sport automobile est roi. Ils font une promotion très bien ciblée et ils soignent leur public avec d'excellentes infrastructures. Avoir un bon circuit n'ôte rien à l'affaire et c'est tout à fait le cas ici. Le tracé est intéressant et le spectacle est assuré. Voir une victoire décisive pour le championnat ici, comme en 2015, serait bien sûr un petit plus. Maintenant, c'est aux pilotes que revient la lourde tâche de nous offrir une aussi belle course. Tu peux freiner tard en entrant dans le premier virage grâce à la pente. Toutefois, c'est un virage lent, alors fais bien attention. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Fernando Alonso s'est illustré lors des qualifications. Il part en tête du peloton, aux côtés d'une McLaren. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Verstappen, Sebastian Vettel et Rosberg, Hamilton, Ricciardo, Gutiérrez et Carlos Sainz, Kvyat, Magnussen, Valtteri Bottas et Hülkenberg, Grosjean, Perez, Felipe Massa et Rio Arianto, Palmer et Wehrlein, Felipe Nasser et pour finir Marcus Ericsson en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. C'est passé le démarrage. Tu auras plus d'adhérence qu'au départ, mais il faut faire chaud. Le tour de formation est lancé sur le circuit du Qatar. Les pilotes sont tous partis pour leur tour de mise en grille. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 5 tours. 5 tours. 28 tours restants. Et on prend un maximum d'informations du côté de chez McLaren, évidemment. On est très prudent. Un point sur les résultats des qualifications avec la performance du week-end. C'est ce qu'il y avait ce matin
dans bon nombre de sites dédiés. La McLaren Honda, aussi bonne qu'à l'époque, c'était le titre repris par certains journaux européens. Effectivement, McLaren Honda qui verrouille la première ligne, ça n'était plus arrivé depuis 1991, rendez-vous compte. On se retrouve avec Alonso en pôle et Van Dorn à ses côtés. Maintenant encore faut-il réussir le départ et l'envol pour les deux pilotes McLaren. Donc le premier bon point est à mettre à Fernando Alonso, qui signe une pole position bien méritée, qui va le libérer depuis qu'il a le statut officieux de deuxième pilote au sein de l'équipe McLaren. Il s'est réveillé depuis l'Italie, c'est un festival que nous offre le pilote espagnol, et c'est de très bon augure pour l'année prochaine. Les autres pilotes à s'être illustrés, Esteban Gutiérrez avec la Haas est passé en Q3 et s'est adjugé le 9e temps de la grille départ. Bien joué au pilote mexicain. Avant son Grand Prix national, c'est peut-être un boost dont il avait besoin. Une saison difficile avec notamment la casse moteur dans l'avant-dernier tour au Japon. On l'avait vu quasiment pleurer contre le rail de détresse après cet abandon alors qu'il était proche du top 10. Valtteri Bottas et Felipe Massa, les Williams continuent de crouler au classement lors des qualifications malheureusement. Avec la 13e et la 17e place de ces deux pilotes, Claire Williams a du souci à se faire pour l'année prochaine. Et dans la liste des déceptions, on se signalera aussi Sauber, l'équipe suisse de Monisha Kaltenborn, qui se retrouve avec ses deux voitures sur la dernière ligne de la grille de départ. Cette grille, justement, est en train de se former. Vous constatez avec facilité sur votre écran les nombreux marbles, ces dépôts de gomme, qui sont présents du côté gauche. Il y a eu pas mal de discussions à ce sujet lors du briefing des pilotes. Et effectivement, les pilotes sur la partie gauche de la piste vont être désavantagés. Le départ est imminent pour le Grand Prix des États-Unis ici au Texas. Les feux rouges s'allument et c'est parti, le départ du Grand Prix des États-Unis avec un bon envol des deux McLaren, bon départ également de Max Verstappen à l'intérieur. On essaie de trouver une solution sans forcément prendre trop de risques. Attention aux deux Ferrari qui sont sur l'extérieur, le contact entre Hamilton et Vettel. Oh, et Magnussen qui escalade Hamilton. Kevin Magnussen qui a escaladé la Mercedes, peut-il continuer? Et voiture de sécurité. Voiture de sécurité déployée, Kevin Magnussen qui a totalement décollé sur Lewis Hamilton. Il va falloir revoir tout ça au ralenti parce que c'était extrêmement dangereux et Lewis Hamilton est toujours en piste. La Mercedes n'a pas abandonné alors que l'on est sous régime de safety car. Effectivement, il y a énormément de débris dans le premier gauche. On a une Manor qui a perdu un museau, on a une Sauber également. Il y a eu des voitures qui ont tapé dans tous les sens. Et Vettel qui est allé accrocher Lewis Hamilton qui a été renvoyé sur Magnussen alors que Magnussen sort de sa Renault, vous ne le voyez pas. Le Danois est indemne. Voilà le départ depuis l'arceau de la voiture du Mexicain Sergio Perez. Il partait derrière tout le monde après la bonne qualif de Magnussen. On le savait, il était bien parti le Danois. Il avait peut-être voulu trop en faire mais là il s'est fait harponner par Hamilton qui sur l'extérieur est renvoyé. Et regardez ça, voilà le décollage complètement sur la voiture d'Hamilton de Magnussen. Voilà la caméra embarquée depuis la voiture du Danois. Quel départ. Alors je vous rassure, les deux pilotes sont ok et Hamilton est même toujours en piste hein. Lewis Hamilton qui continue. Mais quel accident de la part de Kevin Magnussen. Regardez, il n'a rien demandé à personne. Il est à l'intérieur, il prend même un bon envol. Et là, au moment de passer Lewis Hamilton, il escalade la roue de la Mercedes. Allez, le départ depuis la voiture d'Hamilton maintenant, alors qu'on est toujours, je vous rappelle, sous voiture de sécurité. C'était un plutôt bon envol du pilote britannique, le champion du monde en titre. Regardez, ça cherche à gauche, à droite. On voit Van Dorn au milieu, on voit Verstappen à gauche. Ici, on a... Voilà, et en fait, Vettel est ralenti par Raikkonen et les roues se télescopent. Et là, Hamilton ne peut rien faire. Regardez cette image. Hamilton qui voit Magnussen passer au-dessus de sa voiture. I just saw the crash on the big screen. Is Magnussen and Hamilton okay? Eh oui, dans les radios, ici on avait Van Dorn par exemple qui demandait des nouvelles des pilotes parce que ça a été assez impressionnant. Et on peut vous confirmer donc que Magnussen et Hamilton sont donc indemnes. Les voitures sont aux commandes de la voiture de sécurité avec Alonso donc leader devant Van Dorn. Mais derrière ça a bien changé, c'est désormais... Eh bien, Max Verstappen qui est 3e, Rosberg 4e et 5e, Raikkonen.
Voilà pour le départ. Et non, Raikkonen qui a été passé par Daniel Ricciardo, le pilote australien. En tout cas, une course qui commence très très fort. Et on a failli perdre déjà l'un des principaux candidats au titre, Lewis Hamilton. Mais il est toujours en course. Alors que va-t-il faire? Va-t-on retirer la voiture pour des raisons de sécurité? Y a-t-il des dégâts sur cette Mercedes? On verra ça. Pour l'instant, Hamilton reste en piste. Il ne semble pas avoir de dégâts outre mesure. La Renault a juste passé le ponton de la Mercedes. S'est appuyé dessus simplement. Et à moins d'un souci de suspension, la Mercedes d'Hamilton semble en parfait état. La caméra de la FOM n'a même pas été touchée. C'est assez bizarre. Mais Hamilton continue. Ça, c'est vraiment l'information du moment. C'est Lewis Hamilton qui poursuit sa course en piste. Et Alonso toujours en tête. Say to Charlie, there is a lot of carbon pads on the first corner, so be sure to clean it before release the race. Et oui, Stoffel Vandoorne qui annonce à la direction de course qu'en effet, il y a beaucoup de débris et pas mal de voitures ont été touchées mais n'ont pas opté pour la voie des box. On a vu les Manor, on a vu des morceaux d'aileron bleu qui correspondent sûrement au Sauber. Donc on a perdu pour l'instant un seul pilote, le pauvre Kevin Magnussen, qui cette saison aura joué de bon nombre de situations de malchance. On se rappelle que son équipier au Japon s'était fait mettre dehors par une Sauber en fin de course, hein, Palmer. Il a d'ailleurs été checké par les médecins juste après son accident et il avait pu quitter l'hôpital le soir même. Mais Renault qui n'a vraiment pas de chance. Alors qui signera l'année prochaine chez Renault? Je vous le disais, on parlait de conserver l'un des deux pilotes. Alors Magnussen, avec sa chance, a désormais moins de possibilités de s'exprimer. Alors que vous le voyez, la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce quatrième tour de course sous régime de neutralisation. Et on va voir comment Alonso va pouvoir profiter. On sait que Vandoorne est très très bon sur les relances. Le pilote courtoisien va-t-il pouvoir en profiter? Regardez, il est pas loin d'Alonso. Ils se sont même touchés, je crois. En tout cas, on a vu Vandoorne avec sa roue très proche de celle d'Alonso. Voilà, ils sont rangés en file indienne. Et voilà, la safety car qui entre dans la pit lane sous nos yeux, sous notre cabine. Et voilà, drapeau vert agité et en lumière également. Ça roule du côté du quota. De nouveau sous régime de drapeau vert. Alonso en tête, Vandoorne, Verstappen. Rosberg est déjà derrière l'attaque de Raikkonen, peut-être sur Ricciardo. On ne l'a pas vu à l'image. On est avec Stoffel Vandoorne à la chasse de Fernando Alonso. Les deux pilotes McLaren en tête. Et le rythme est assez correct pour l'instant. Attention, Vandoorne qui a du mal peut-être avec des pneumatiques un peu frites. Regardez la quantité de dépôts de gomme déjà présents en bord de piste ici. C'est une particularité assez flagrante. Le taux d'abrasion du circuit qui est très important et donc beaucoup de dépôts de gomme et on consomme beaucoup 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 de pneus. Ça a été le cas notamment pendant les courses annexes où on a découvert qu'un petit passage à l'extérieur faisait que la voiture vibrait pendant quasiment un tour et demi, le temps de neutraliser les épaisseurs de gomme récoltées au moment de l'écart en piste. De nouveau à bord de la voiture de Stoffel Vandoorne, deuxième pour l'instant, pas sous la menace de Ricciardo. Voilà Ricciardo, après s'être fait passer par Raikkonen et une Toro Rosso, vient de céder à Vettel. Alors de quel Toro Rosso s'agit-il? Je pense que c'est Carlos Sainz Junior, on verra bien. Et vous avez pu entendre, caméra embarquée avec Vandoorne, que tout se passait bien à bord de la McLaren. On revient avec la Ferrari de Vettel à la chasse de Carlos Sainz. Effectivement, le pilote espagnol bien placé en ce début d'épreuve. La Ferrari, logiquement, va pouvoir attaquer. Regardez les dégâts sur le ponton gauche de Vettel qui porte l'attaque au niveau du premier freinage à l'intérieur. Et ça passe pour le pilote de la Scuderia Ferrari. Regardez donc les dégâts sur la partie gauche du ponton de Vettel. Assez impressionnant. Les dommages subis par la Ferrari, il y a eu pas mal de dégâts. On comprend mieux pourquoi Vandoorne se plaignait à la radio des nombreux débris présents dans le premier gauche. Attention également à la quantité de pneus alloués pour la course. Certains devront faire deux arrêts, d'autres pensaient tenir avec un arrêt, on va voir. Pour l'instant, c'est le train avant qui est en train de souffrir du côté du pilote belge. Tout le monde devant est en pneus super soft, hormis quelques petites exceptions en soft, mais personne n'est parti en médium pour ce Grand Prix.
Seule une voiture l'a tenté, le départ en médium et c'était en fin de peloton, je crois que c'est une Sauber, si mes notes sont exactes. 42% d'usure sur le train avant, il est temps d'opter pour un arrêt au stand du côté de chez McLaren, mais normalement, l'arrêt en pneus super soft ne devait pas avoir lieu avant le 9e tour. Ici, on est dans la lutte avec, je crois, Verstappen, voilà, on était avec Raikkonen et devant Nico Rosberg, on est en lutte avec ces trois pilotes pour la troisième place au général. Et regardez les textures nouvelles qu'a apporté Verstappen à ses gants et son casque. Le Néerlandais qui n'est jamais avare d'une petite fioriture supplémentaire pour mettre en avant son côté néerlandais et ses couleurs orange dont il est très fier. Attention, l'arrêt au stand pour le pilote belge. Premier pilote de tête à opter pour la voie des box, c'est Stoffel Vandoorne. Alors que va-t-on monter au pilote de la McLaren Honda? On devrait voir, voilà, la pit lane. Et il est le seul à rentrer dans ce 7e tour de course. Alors logiquement, on devrait peut-être monter des softs et enfin des médiums. Ou deux trains de super soft et un train de médium. Et bien voilà, ce sont des pneus soft à bande jaune qui ont été montés. Et c'est 21e et bon dernier que repart en piste le Belge. Voilà, Julian Palmer qui vient de passer. Dernier Renault en course après l'abandon de Kevin Magnussen. Qu'on vous rappelle est allé escalader la voiture d'Hamilton de manière assez impressionnante, mais sans dégâts pour les deux pilotes. Et on informe également Stoffel Vandoorne de la disponibilité du DRS dans ce troisième tour de course. L'attaque de Lewis Hamilton qui, regardez, se porte bien après s'être fait chevaucher, si vous me passez l'expression, par Magnussen. Il est en train d'aller chercher Vettel à l'aspiration et cette fois-ci avec le DRS, la Mercedes s'empare sans problème de la position de la Ferrari. Derrière, on voit également l'attaque de Gutiérrez sur l'une des Force India. Palmer est devant toi. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,6 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 12 tours. 22 tours restants. Et 22 tours restants dans ce Grand Prix, vous l'avez entendu. Et surtout 5 secondes de retard. Vandoorne qui profite d'une piste plutôt libre. Et l'arrêt du leader, c'est au tour de la deuxième McLaren de plonger. Et pourtant, habituellement, on donne l'avantage au pilote qui est le premier en piste. Une autre voiture entre, une Red Bull, visiblement Max Verstappen, si le casque ne m'a pas trompé. Et derrière, on a Vettel qui rentre aussi. Deuxième train de pneus soft pour Alonso, qui va donc faire deux arrêts. Et attention, qui repartira en tête entre Alonso et Vandoorne qui a arrêté un tour plus tôt. Il faudrait voir ce qui se passe en piste. Deuxième train de pneus pour Esteban Gutiérrez qui repart avec la Haas. Et Alonso est devant. Alors qu'il est encore, regardez, il y a encore des morceaux sur la gauche de la piste. La voiture de devant a fait un arrêt. Et le leader actuellement de ce Grand Prix des États-Unis, c'est Nico Rosberg, le pilote allemand, et sa Mercedes devant, je crois, Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton qui est troisième. Rappelez-vous, Hamilton, où il était à la sortie du premier gauche. Ah, et drapeau jaune. Que s'est-il passé? Effectivement, on nous signale Vettel arrêté dans le premier secteur. La Ferrari serait arrêtée en bord de piste, c'est ce que nous disent nos écrans. On est en caméra embarquée avec Vettel. Et oui, le moteur qui vient de lâcher. Nouvelle casse moteur pour Vettel. Et ça, c'est la fin de ses espoirs au championnat. À trois courses de la fin de la saison. Nouveau barbecue pour le pilote allemand. Il en aura fait quelques-uns cette année. Du côté du fond du deuxième secteur, c'est Ricardo qui s'attaque à Hülkenberg. Et la Force India qui se laisse dépasser. Mais donc Vettel hors course. Attention, la Ferrari qui est toujours stoppée en bord de piste. Les commissaires s'en approchent fébrilement. Et drapeau jaune, vous le voyez dans le premier secteur. Ça reste très dangereux pour les pilotes qui arrivent à pleine vitesse. Vettel's car is still on the track. Shouldn't we have a virtual safety car to remove it? It's really dangerous on that corner, guys. Eh oui, si la voiture de Vettel est bloquée en vitesse, non, voilà, elle vient d'être évacuée. Et Vandoorne qui demandait si d'aventure une virtuelle safety car pouvait être sortie. C'est assez bizarre parce que ça n'est pas son avantage. Attention, Alonso qui met Vandoorne à l'extérieur de la piste. Aïe, 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 le pilote belge qui a perdu beaucoup de temps en voulant dépasser son équipier. Il est virtuellement en train de se battre pour la tête de course. Déjà pas mal de voitures qui ont opté pour les box, mais ça continue. La première salve du Grand Prix devant désormais Alonso et s'attaque à
à Esteban Ocon. Raikkonen sort des box avec également devant lui, je crois, Nico Rosberg. Raikkonen avec les pneus froids ne peut rien faire face à Fernando Alonso et surtout à Van Dorn qui sont passés. Attention du côté de Rosberg qui lui a choisi de monter des médiums. Est-ce qu'on n'a pas la stratégie à un arrêt choisie du côté de chez Mercedes? Assez intéressant. Van Dorn peut peut-être s'emparer de la position de Rosberg. On se bat pour une 8ème place virtuellement ici. Devant, il y a Julian Palmer qui ralentit fortement Rosberg. Là, avec des pneus usés, Palmer qui n'a pas encore stoppé, je crois. Allez, Rosberg qui doit absolument se décider à y aller. Il va avoir le DRS, ce qui devrait faciliter la tâche. Oh, attention, c'était très très proche du côté de Van Dorn qui a failli toucher Rosberg. L'écart de la McLaren qui s'empare de la position de Rosberg, c'est fait. Derrière, il y a Rosberg qui va tenter de réagir maintenant avec le DRS sur la McLaren. Attention, ils étaient à deux de front et Palmer qui ne sait plus où se mettre. Van Dorn est passé, Rosberg également. Derrière, Raikkonen reste derrière la Renault de Palmer. Devant, il y a du monde également. On voit donc Alonso bloqué par Valtteri Bottas et Sa Williams qui est également dans une position difficile. Et là devant lui, une Sauber et je crois Esteban Ocon sur la Manor. Ah, c'est très compliqué là ce qui se passe pour les leaders qui ont ravitaillé maintenant. Et c'est désormais Lewis Hamilton, rendez-vous compte, qui mène ce Grand Prix. Mais il opte pour les box, le Britannique. Est-ce qu'on va avoir un peu de liberté du côté du milieu de peloton avec certains pilotes au stand? Non. On garde donc Nasser Ocon devant les leaders. La partie intéressante, c'est le DRS dans la ligne droite des stands. Alonso en profite. Est-ce que Van Dorn peut se placer sur la gauche d'Alonso? Il déboîte. Il attaque son coéquipier, mais ne passe pas pour le moment. Belle résistance de la part du pilote espagnol. Derrière, on a ici Max Verstappen sur Raikkonen. On est avec Raikkonen en caméra embarquée qui suit la Mercedes de Lewis Hamilton qui vient de ressortir des box. Il est derrière Van Dorn, donc virtuellement, les deux McLaren se battent pour la tête. Et Alonso qui cède. Van Dorn est passé. Van Dorn qui est virtuellement en tête du Grand Prix, alors que pour l'instant, vraiment, le leader là sur la piste, c'est, je crois, Nico Hülkenberg ou Sergio Perez, l'une des deux Force India, à voir laquelle est devant l'autre. Et regardez ce bouchon, toujours les deux McLaren qui restent coincés derrière Bottas. Il faut absolument passer. Et on voit donc Ericsson, Ocon, Bottas, Alonso et Van Dorn. Voilà, Bottas qui va attaquer. À moins que ce ne soit Felipe Massa. Impossible que ce soit le Brésilien, on n'a pas de précision. Eh non, c'est bien Felipe Massa, autant pour moi. Mais où est Valtteri Bottas, qui était mentionné sur notre écran juste devant Van Dorn? Alors il est peut-être plus loin sur notre classement. Regardez le temps de perdu par les leaders dans ce secteur. On ne peut pas dépasser, il n'y a qu'une trajectoire sur cette piste du quota. Et Van Dorn qui ne va pas hésiter à y aller au chausse-pied sur le Brésilien. Attention, et ça passe. Van Dorn qui peut prendre un avantage mais qui freine un petit peu plus tard. Et voilà, Van Dorn 9e désormais derrière Pascal Wehrlein. Et donc ça n'était pas du tout Esteban Ocon. Donc il y a vraiment une erreur sur notre tableau. Avec, regardez l'attaque peut-être d'Alonso. Alors que devant ça passe, hein. Van Dorn il y va. Et Wehrlein qui va en profiter pour passer Marcus Ericsson au ralenti qui s'est écarté. Voilà le jeu des retardataires. Mais là il y a 10 voitures qui sont à la file indienne et c'est très serré. À l'image, la Toro Rosso qui se bat en haut du classement avec voilà Valtteri Bottas bien placé pour le moment. Il n'a pas encore ravitaillé. Oh, le moteur qui casse! Nouvelle casse moteur chez Williams. Drapeau jaune dans le deuxième secteur et tout le monde va pouvoir gagner une position. Nouveau problème, drapeau jaune évidemment dans le deuxième secteur et Valtteri Bottas qui doit de nouveau abandonner sur casse moteur. Je pense que c'est le bloc Mercedes qui aura le plus souffert cette année, celui de Valtteri Bottas. Et suite à cela, l'arrêt de Ricardo peut-être pour tenter la virtual safety car, mais rien n'est déployé de notre côté. Les commissaires sont déjà autour de la Williams, blessée en bord de piste. Et c'est terminé pour Valtteri Bottas, catastrophe pour le Finlandais. Des pneus médiums, on va peut-être aller au bout du côté de Daniel Ricciardo.
Et je crois même que l'on va aller au bout de ce Grand Prix pour le pilote australien qui est libéré des boxes derrière le peloton de fous furieux. Son équipier désormais en caméra embarquée. On voit donc Massa. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il laisse passer Ricardo. Ah, stratégie peut-être différente du côté de chez Red Bull, le leader de ce Grand Prix. On ne l'avait pas vu à pareil fait depuis longtemps. C'est Nico Hülkenberg, le pilote allemand, qui est parmi les pilotes en discussion pour le baquet Renault. Drapeau jaune ici, attention, il y a toujours la Williams arrêtée sur le bord de la piste. Eh non, ça y en est, sous régime de drapeau vert. Derrière, ça attaque et Perez qui va prendre la deuxième place. Les deux Force India qui sont en tête à la régulière dans ce Grand Prix des États-Unis. Eh bien, quelle belle publicité pour Vijay Mallya. Ah, les deux Force India en tête, ça nous était plus arrivé depuis longtemps. Troisième, on a une Toro Rosso. Quatrième, on a, je crois, Romain Grosjean. Effectivement, et devant Grosjean. Et derrière, Verlaine, Van Dorn qui est entouré de voitures de fin de peloton. Et donc, virtuellement, de ceux qui ont ravitaillé, Van Dorn est peut-être en tête du Grand Prix devant Alonso à ce moment-là du Grand Prix. On va voir comment tout cela évolue. Regardez, voilà, la plongée dans les box pour Grosjean et le leader, Nico Hülkenberg. Alors, va-t-il monter des pneus médiums, ce qui serait logique pour aller au bout et ne faire qu'un arrêt. Et voilà. Suit la bonne stratégie du côté de chez Force India. Grosjean également des médiums pour aller au bout. Esteban Ocon, non, Pascal Wehrlein repart avec des médiums. Et pas mal de pilotes ont opté pour la stratégie à un arrêt. Et ça, on ne l'a pas tenté dans toutes les équipes. Et certains vont peut-être s'en mordre les doigts, comme peut-être McLaren qui a monté un train de pneus soft à Stoffel Vandoorne. Et qui aurait peut-être dû monter deux pneus super soft avant de monter des médiums. Que je pense pas qu'il va aller au bout avec cela. Il n'aura de toute façon pas assez de gomme. Alors, le classement. Actuellement, c'est Sergio Perez qui est en tête. Une Force India peut toujours en cacher une autre. Deuxième, Van Dorn. Et troisième, Alonso. Allez, Grosjean à l'attaque de Daniil Kvyat. Le russe dont eh bien Franz Tost a évoqué le futur. Le pilote russe devrait rester l'an prochain aux côtés de Carlos Sainz, qui resterait également au sein de l'équipe italienne avec pourquoi pas également un baquet pour Sainz du côté de chez Renault sur le long terme. C'est quelque chose que Carlos Sainz perd lorgne en ce moment, comme beaucoup de pilotes. Les baquets Renault sont peut-être les plus intéressants pour les 5 prochaines années à venir. Regardez sur la gauche, il y a toujours ce morceau énorme de carbone déposé par Kevin Magnussen. Il est hors trajectoire, les pilotes l'ont vu bien sûr depuis le temps. Mais à 14 tours couverts, c'est-à-dire le stade de la mi-course, on retrouve Van Dorn en tête devant Alonso et Raikkonen. Mais regardez au niveau des pneumatiques, il y aura encore un arrêt à faire pour Alonso et pour Raikkonen. Et je pense aussi pour Stoffel Van Dorn, qui aurait pu peut-être tenter le coup des médiums. Mais on ne sait pas, peut-être que si une autre voiture de sécurité viendrait jouer les troubles faites, eh bien on pourrait avoir un changement au niveau du classement. Les deux Mercedes sont très proches. On voit ici sur la même image Rosberg chassé par Lewis Hamilton. On rappelle Hamilton qui avait perdu quasiment la course au premier virage et qui se retrouve là potentiellement en train d'aller chercher ses petits camarades. Et ce qui est intéressant, c'est que si les pilotes ayant chaussé les pneus médiums peuvent aller au bout, ni Van Dorn, ni Alonso, ni Raikkonen ne sont en train de se battre pour la victoire. Et les pilotes qui sont en tête vraiment de ce Grand Prix et qui vont aller au bout avec ces pneus là, eh bien c'est Lewis Hamilton qui pourrait être en tête du Grand Prix devant Nico Rosberg. Les deux flèches d'argent n'ont pas été dans une telle situation depuis un certain bout de temps. On va voir ce que peut tirer de cette possible avantage l'équipe de Padillo et de Toto Wolff. Avec Van Dorn en caméra embarquée, ça devient très compliqué. Regardez l'usure des pneumatiques à l'avant et également à l'arrière, ça c'est intéressant. On n'avait pas vu usure de pneus tels depuis le début du week-end pour les voitures. C'est assez intriguant. Et un nouveau tour couvert. Ici, et attention Alonso qui perd une position peut-être à l'avantage du Finlandais. Raikkonen, ouais, qui passe facilement Alonso qui est au ralenti. Alonso qui est allé rapidement sur l'extérieur prendre quelques marbles, il n'en faut pas plus pour être gêné et tomber à la troisième place. Et désormais c'est Raikkonen le plus gros danger pour Van Dorn. Regardez les pneumatiques de la
de la McLaren qui sont au bout et on va devoir rentrer un deuxième train de pneus soft alors pour aller au bout parce qu'un pneu de super soft ne peut pas faire la distance, il y a quelques tours de trop, ils peuvent techniquement en couvrir 8 ou 9 avant de risquer d'éclater. Regardez ce train avec Alonso qui ralentit, Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Verstappen, ils sont là, les vrais leaders de ce Grand Prix. Alonso se fait attaquer, Hamilton passe. Est-ce que Rosberg peut emboîter le pas? Est-ce que Rosberg peut également passer? Attention avec Alonso, ça passe. Et même Ricciardo va s'infiltrer. Alonso qui va perdre 3 positions en une ligne droite. Et attention aussi parce que Rosberg doit jouer son va-tout pour le championnat face à Hamilton. Et Hamilton reste devant. C'est roue contre roue et Rosberg n'abdique pas. Oh là là, ils sont en train de se toucher, de se frotter. Hamilton qui n'a pas tenu rigueur à Magnussen, je ne pense pas qu'il va être plus tendre avec son équipier. Donc c'est Rosberg qui passe devant Lewis Hamilton. Et bien Alonso là qui souffre énormément, va devoir peut-être opter pour les box du côté d'Alonso. Voilà, les pneus sont terminés et Sainz je crois est également en train de suivre. À bord de l'aileron avant de la voiture de Lewis Hamilton, voyez à quel point ça va vite. L'aspiration sur Rosberg qui n'a pas le DRS. Le freinage en bout de ligne droite. Le retour peut-être du champion du monde. Et oui, c'est passé. Ouais, et opportuniste aussi derrière la Red Bull qui passe. Et bien voilà, Ricciardo qui s'est intercalé entre les deux Mercedes. Peut-être que Verstappen va en profiter aussi à l'aspiration de Rosberg. On est en caméra embarquée sur l'arceau de la voiture du Néerlandais. Il s'en passe des choses dans cette deuxième moitié de course. Et l'arrêt au stand imminent également du côté de Van Dorn, je pense, parce que là, il va falloir mettre un terme à ce relais qui est catastrophique. 3 secondes de perdu quasiment sur le dernier tour pour Van Dorn par rapport à son meilleur temps. Suivons désormais dans la ligne droite de retour l'évolution des places avec les DRS de l'un ou l'autre pilote. Qui peut en profiter? C'est ouvert pour les 3 derniers pilotes du peloton. Est-ce qu'Hamilton est assez proche? Non, Hamilton n'est pas assez proche de Van Dorn. Et Ricciardo va peut-être chercher Hamilton, mais n'est pas passé. Le Britannique qui résiste, 3ème de ce Grand Prix. Raikkonen est parti loin devant. Et 50% d'usure sur le train avant du pneu avant gauche de la McLaren de Stoffel Vandoorne, qui est en train de vivre des moments extrêmement difficiles. La vue depuis l'hélicoptère et la chasse. Et Alonso qui a complètement chuté au classement. Regardez, voilà, Van Dorn en difficulté. Est-ce qu'il plonge? Oui, voilà, Van Dorn qui va observer son second stop de la course. Comme Kimi Raikkonen. Et ils viennent de perdre le Grand Prix chez Ferrari et McLaren avec ce deuxième arrêt. Parce que les Mercedes, ni l'une ni l'autre n'en fera deux. Oh, très bel arrêt du côté de chez Ferrari. Raikkonen est déjà reparti. Et on remonte un train de pneus soft du côté de Stoffel Vandoorne. On a vu qu'on était prêt également du côté de Manor et de Haas. C'était pour Esteban Ocon. Et retour en piste pour le pilote belge. Nasser qui monte également des softs. Ouais, même stratégie que Vandoorne. Guys, I think we just lost the race. Why don't put the medium tires on the car? It's not serious, guys. It's a big mistake for us. Il y a le message de Vandoorne à son équipe éclair. C'est une grosse erreur. McLaren qui n'a pas choisi la facilité en se mettant 2 arrêts au box avec les 2 voitures alors qu'ils étaient 1 et 2 sur la grille. Ils sont en train de crouler au classement du côté de chez McLaren Honda. Grosse erreur de choix de pneumatique. Et l'attaque devant pour Ricciardo qui va s'emparer virtuellement peut-être de la tête du Grand Prix. Et Hamilton qui résiste. Et pourquoi virtuellement désormais ils sont bien en tête avec l'arrêt de Van Dorn et de Raikkonen. Donc c'est vraiment la tête du Grand Prix qui se joue là devant vos yeux, et la résistance d'Hamilton qui n'est pas prêt de céder. Un peu plus loin dans le peloton, on retourne avec Van Dorn, 10ème derrière Daniil Viat et devant Sainz, en sandwich entre les deux Toro Rosso Ferrari. Retour en tête avec cette fois-ci la menace sur Ricciardo. Est-ce que Rosberg peut aller chercher l'Australien? Il s'en rapproche en tout cas avec l'aide du DRS, mais pas d'attaque pour l'instant.
Rosberg va peut-être tout simplement attendre la deuxième partie du circuit et le DRS pour passer sans prendre trop de risques en caméra embarquée avec Nico. Et il ne doit pas tarder à passer Ricardo s'il veut avoir une chance d'aller chercher Lewis Hamilton pour le championnat. C'est très important pour Rosberg après les déboires du côté de Monza, l'accident avec Van Dorn et les quelques problèmes moteurs. Il doit se ressaisir au championnat et il est bien sorti de ce dernier gauche. Mais je crois que malheureusement pour lui, la Red Bull va également disposer du DRS. Voilà, les deux voitures DRS ouvert. D'ailleurs, Verstappen peut peut-être aussi se rapprocher. Et ça n'empêche pas Rosberg d'attaquer. Et sur les freins, va-t-il prendre l'avantage et mettre les deux Mercedes en tête de ce Grand Prix? C'est fait. Nico Rosberg qui se met donc devant les deux Red Bull de Ricciardo et Verstappen. Bien joué Nico qui se retrouve donc derrière Hamilton. Il va maintenant falloir aller chercher ce diable de Lewis s'il veut remporter un Grand Prix des États-Unis. Notre ami Nico Rosberg qui là a fait le plus dur. Et donc les 4 voitures de tête sont en 3-4 secondes avec les pneus médiums pour tout le monde et vont aller au bout de cette épreuve. Alors que derrière, ouais, on a Van Dorn qui fait l'extérieur ici à Raikkonen. Ils sont tous les deux désormais en pneus soft. Van Dorn s'empare de la 8ème place. Il y a encore devant lui Sergio Perez, je crois, avec Romain Grosjean et Nico Hülkenberg. Et belle accélération de la McLaren qui relance beaucoup mieux qu'en début de saison. C'était l'un des points faibles de la machine britannique. On est sur le museau de la voiture de Van Dorn. Et les Haas qui se débrouillent bien pour leur Grand Prix national. On a vu énormément de supporters américains. Et il n'est pas négligeable de notifier le succès de ce Grand Prix, notamment grâce à l'équipe Haas et la volonté peut-être d'avoir dans les prochaines années un pilote américain en F1 au sein même de l'équipe Haas, formé en Europe. On se rappelle que les pilotes américains n'ont pas été les plus récompensés dans l'histoire de la Formule 1. On pensera notamment à Scott Speed, ancien pilote Toro Rosso. Et attention parce que là on a vu une attaque pour Van Dorn qui passe. On est à 3 de front. Et Romain Grosjean qui va devoir perdre une, peut-être même deux places. Et voilà. Ah là, Grosjean qui glisse. Au général, il ne peut rien faire. Van Dorn est passé ainsi que la Force India de Sergio Perez. Derrière, il reste encore Raikkonen à tenir à l'œil. Et les deux Force India qui sont en train de faire un bon week-end. C'est également important pour eux au niveau du général. Est-ce que Van Dorn peut aller chercher à l'intérieur Sergio Perez? Attention, deux tempéraments là. Oh, Perez sur l'extérieur. Van Dorn qui a failli l'harponner. Mais il n'en est rien, c'est passé convenablement pour tout le monde. Là par contre, Raikkonen va sincèrement aller chercher Gutiérrez qui ne va pouvoir longtemps se défendre. Et Grosjean menacé donc par Raikkonen. Seul en tête désormais Lewis Hamilton puisque Ricciardo est repassé devant Rosberg qui va réattaquer. Et Rosberg peut-être pour la deuxième place et tout cela n'est que bénéfice pour Hamilton qui s'envole et qui prend un avantage plus que conséquent. Regardez, il n'est même plus dans la même image que Rosberg, de nouveau deuxième de ce Grand Prix devant Ricciardo. Mais je pense que ces deux-là vont s'expliquer pour la deuxième place jusqu'à la fin du dernier tour. Et la vue depuis l'hélicoptère qui nous permet de voir les écarts en temps réel. Et un nouveau tour couvert pour Lewis Hamilton, Rosberg et Ricciardo. Nouvelle attaque de ce mur, hein, ce premier virage qui n'est pas sans rappeler notamment le raidillon de Spa-Francorchamps dans sa montée. Certains le comparaient avec également avec la voiture qui te précède et de 16,1 secondes. Le comparaient également avec l'un des virages présents lors des Grands Prix disputés en Inde.
Raikkonen qui reste aux côtés de Van Dorn. Et regardez, en fait, si tout le monde avait opté pour deux arrêts, eh bien, ce que vous avez à l'écran serait la lutte pour la victoire avec eh bien, tout simplement Verstappen, Raikkonen et Van Dorn, les trois premiers pilotes qui sont ceux qui ont opté pour deux stops. Les autres devant n'ont arrêté qu'une seule fois leur monoplace devant leur garage, à savoir donc Hamilton, Rosberg et Ricciardo. Et c'est cela qu'aurait dû faire McLaren. Vous voyez la résistance de Stoffel Van Dorn face à Raikkonen. Et on se bat pour un pied de podium. On est quand même pas loin, même s'il y a quand même 17 secondes d'écart entre la 3 et la 4ème place. Ça n'est pas rien. Regardez le bouchon que fait Van Dorn pour empêcher Raikkonen de réaccélérer. Retour en tête avec, je pense, Lewis Hamilton. En tout cas, c'est une Mercedes. Ça, c'est sûr, aux couleurs du museau de la voiture sur laquelle on embarque. Effectivement, c'est Hamilton qui vient de conclure un nouveau tour en tête dans ce Grand Prix des États-Unis. Et regardez le ciel qui s'assombrit. Pas mal de nuages qui viennent rejoindre le Texas. Alors, il n'y a pas de prévision météo nous annonçant de la pluie. En tout cas, on n'a pas été informé de cela du côté des différentes équipes. Mais à surveiller quand même, parce que là, regardez, le ciel est bien gris. Avec Verstappen à la chasse de Raikkonen et de Van Dorn. Le Néerlandais confirmé pour l'année prochaine chez Red Bull, tout comme Ricciardo. Et Raikkonen qui est très très proche d'aller porter une attaque sur Van Dorn. Avec Raikkonen maintenant. Surveillez également les rétroviseurs pour le Finlandais avec un Verstappen décidé à revenir. Regardez. La McLaren qui relance mieux mais qui a un déficit de vitesse de pointe que comble la Ferrari. Regardez ce que cela donne avec en plus l'ajout du DRS au comportement de la monoplace italienne. Oh, et le sous-virage de Van Dorn au freinage. Raikkonen peut-être peut s'emparer de la quatrième place. Et non, il n'est pas passé. Et c'est, voilà, Verstappen qui va plonger. Ah, Verstappen, lui, il ne va pas se poser de questions, il va y aller, hein. Avec ses pneus super soft, il est censé avoir un avantage sur le Finlandais. Allez, avec le DRS peut-être, cette fois-ci pour Verstappen, il est proche, il déboîte. Et ça passe, cinquième position pour Verstappen qui peut vraiment aller chercher une quatrième place puisque Van Dorn avec ses pneus médiums, enfin ses pneus soft pardon, est en train de souffrir, tout comme Raikkonen. Les deux pilotes qui tournent dans les mêmes temps et entre les deux il y a Verstappen qui remonte extrêmement fort dans ce Grand Prix. Oh là, attention Van Dorn à ne pas être trop gourmand sur les bords de piste là. Et regardez les écarts, 17 secondes pleines sur Ricciardo. C'est vraiment conséquent comme écart pour Van Dorn. 24e tour de course. On est dans la ligne droite du deuxième secteur. Hamilton toujours en tête devant Rosberg et Ricciardo. Mais l'explication n'est pas terminée entre les trois leaders qui n'ont ravitaillé qu'une seule fois. Au niveau du dur des pneus, regardez, Van Dorn est déjà à 35%. Et le museau sur la gauche de la voiture de Verstappen, ça n'est pas passé. Ah, il aurait dû peut-être rester sur cette lutte-là, le réalisateur, plutôt que de nous montrer ce qui se passe devant, même si on voit maintenant que Rosberg s'est bien installé en deuxième position. Ricciardo qui va pouvoir se rapprocher avec l'arrière de sa voiture qui va, voilà, ouvrir l'aileron mobile sur la Red Bull. Ici, on est avec Alonso. Alonso qui aura perdu énormément de temps et de place. Le pilote espagnol qui est vraiment le perdant du jour. Il avait fait la pole mais n'a pu en profiter à cause de la stratégie de son équipe. Ici, il y a deux luttes à l'écran. Verstappen qui va tenter d'aller chercher Van Dorn et Raikkonen qui doit résister à l'attaque de la Toro Rosso. Il ne peut rien y faire. Et ça va passer pour Sainz. Et effectivement, Raikkonen qui est en train de perdre tout rythme. Et si ça arrive aussi à Van Dorn, c'est de bon augure pour Verstappen qui pourrait s'emparer
d'un nouveau pied de podium. Et regardez dans le 25e tour, Van Dorn qui est à l'arrêt complet, hein, là. Retard sur la voiture de devant est de 19,4 secondes. Van Dorn qui vient de perdre 2 secondes à simplement 2 tours de là. Il n'était qu'à 17 secondes. Avec Verstappen, peut-être pour l'attaque dans la ligne droite avec le DRS. On rappelle qu'on se bat ici pour la 4e place du Grand Prix. Regardez Van Dorn qui s'est loupé. Et Verstappen qui est à côté de la McLaren, mais elle relance mieux la McLaren. Oh, ça va être chaud. Ils sont côte à côte. Van Dorn n'a pas le DRS. Il se blottit à l'aspiration de la voiture de Verstappen. Peut-il porter l'attaque pour résister? Van Dorn à l'intérieur. Ils sont presque en train de se toucher. Van Dorn a le désavantage de l'extérieur, mais il passe. Oh, Verstappen qui n'a pas fini. Ils sont côte à côte. La lutte est magnifique entre les deux. Ils continuent l'un à côté de l'autre, comme tout à l'heure Hamilton et Rosberg. Verstappen sur l'extérieur et ça ne passe pas le contact entre les roues des deux monoplaces, mais c'est Van Dorn qui a le dernier mot, du moins pour le moment. Et c'est Stoffel qui garde la 4e place du Grand Prix. Bien joué, mais ça risque de se compliquer au fur et à mesure des tours. Nouvelle charge de Verstappen alors qu'il commence à faire quasiment nuit ici, en tout cas beaucoup de nuages de notre côté. Leader est de 25,6 secondes. 25 secondes de retard sur Hamilton. Il reste 3 tours. Il reste 3 tours à Lewis Hamilton pour pourquoi pas remporter la course et s'emparer par la même occasion de la tête du championnat après la contre-performance de Ferrari. Les problèmes de Raikkonen avec la stratégie et l'abandon suite à la casse moteur de Vettel. Il y a beaucoup à gagner pour certains aujourd'hui, notamment Hamilton en tête du championnat. Ici, il y a la 2e place en jeu entre Rosberg et Ricciardo. L'Australien est devant. L'Australien est devant, mais Rosberg qui va de nouveau porter l'attaque, peut-être même l'estocade à Ricciardo. Et avant même le freinage, il se replace devant la Red Bull, ce qui est toujours extrêmement risqué. Il faut avoir confiance en ses freins dans ces cas-là. La vue depuis l'hélicoptère. Regardez l'écart qui bouge de quelques dixièmes selon le secteur. La Red Bull est parfois un peu plus rapide, mais là je pense que ça va être bon pour Rosberg. Mercedes tient son doublé aux États-Unis. Quoique, hein, avec les pneus qui s'écroulent rapidement, nous a confié Pirelli. Et Paul Emery avant le départ de la course. On a vu brièvement le leader, Lewis Hamilton, qui entre dans son avant-dernier tour. Qui va être le cas aussi pour Van Dorn, mais toujours avec Verstappen sur ses talons. Et toujours pas de goutte de pluie, ni sur la vitre de notre cabine, ni à la radio. Alors, Verstappen sur Van Dorn, acte 10-12. Et ça ferait du bien à Verstappen de passer devant Van Dorn. Il en a besoin également au championnat. On fera un point complet d'ailleurs sur... les classements à l'issue de ce Grand Prix, il restera 3 courses et 75 points à distribuer. Van Dorn qui résiste et derrière par contre du côté de Sainz, on a un petit peu soulagé peut-être pour éviter une usure prématurée du train avant. En étant collé à la voiture sœur, la Red Bull. Van Dorn qui... se décale légèrement pour peut-être préparer une attaque du Néerlandais, mais ça ne viendra pas cette fois-ci. Verstappen à l'extérieur, c'est osé sur Van Dorn. Ça ne sera pas pour cette fois-ci. Là, Van Dorn qui est en vrac complet avec ses pneumatiques. Et Lewis Hamilton qui entre dans son dernier tour. Le Britannique qui va sans doute remporter plus que probablement ce Grand Prix des États-Unis. Et Mercedes qui est en bonne voie pour effectuer le doublé. Voilà, avec Rosberg devant Daniel Ricciardo. Et sa Red Bull, ça sent très bon pour Mercedes qui va faire un coup. I don't know for Fernando guys, but for me it's really difficult to keep the car on the track for the first corner to the fourth or fifth. It's really difficult with the rear tires, they are really really hot. Alors, on est, je disais, en bonne voie du côté de chez Mercedes pour dépasser Ferrari.
Mais surtout, ce qu'on vient d'entendre du côté de Van Dorn, c'est qu'il est nulle part avec ses pneumatiques. Ils sont en surchauffe, notamment au train arrière. Il a demandé si Alonso souffrait du même mal. Sauf qu'Alonso, il est en fond de peloton. Il doit certainement souffrir tout autant que lui. Mais occasion manquée, serait-on tenté de dire pour McLaren aujourd'hui. Alors que Lewis Hamilton est déjà dans le deuxième secteur de ce circuit du quota, on va bientôt avoir le verdict de ce Grand Prix. Mais attention pour la deuxième place, la charge de Ricciardo. Et Daniel Ricciardo qui est passé devant Rosberg dans le dernier tour. On disait que c'était terminé, mais non. Ce diable de Ricciardo qui a réussi à nous garder une dernière attaque pour ce Grand Prix des États-Unis qui aurait été extrêmement disputé. Et malheureusement, on ne le voit pas à l'image, mais Lewis Hamilton qui arrive dans les derniers tours, les derniers virages même. Et Lewis Hamilton qui va s'imposer dans ce Grand Prix des États-Unis alors que derrière, Van Dorn est en train de se défendre bec et ongle face à Verstappen. Et c'est fait. Victoire de Lewis Hamilton aux États-Unis. Bravo Lewis. Et pour l'instant, c'est Ricciardo qui est deuxième. On devrait suivre l'arrivée. C'est fait. Voilà, Ricciardo, deuxième. Et voilà, il est content, Lewis Hamilton, de cette victoire. Il salue les tribunes. Mais on va peut-être voir ce qui se passe derrière avec Van Dorn et Verstappen parce que c'est très, très chaud. Dernier virage. Van Dorn qui réaccélère juste devant Verstappen. Ça va le faire. Quatrième place pour le Belge. Ça n'a pas suffi. Loin de là. On va reprendre les choses en main, d'accord ? Le message de l'ingénieur est très clair à Van Dorn, ça ne va pas. Nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus ? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, consultons ensemble les résultats de ce Grand Prix des États-Unis avec le trio sur le podium qui n'aura donc effectué qu'un seul arrêt au stand. Derrière, pour tous les autres, il y aura eu au moins deux arrêts. Certains ont tenté le coup aussi, ont pu bien se placer. On notera les beaux résultats de Romain Grosjean qui ramène des points pour l'écurie Haas à la maison. Lewis Hamilton reprend donc la tête du championnat du monde des pilotes devant Kimi Raikkonen pour 8 petits points. Plus d'une victoire de retard pour Nico Rosberg qui se retrouve à 33 points. Et ensuite, eh bien, on retrouve Van Dorn désormais devant les deux Red Bull de Ricciardo et de Verstappen au classement constructeur. Eh bien, la messe est quasiment dite avec 113 points d'avance pour l'équipe Mercedes face à Ferrari qui a perdu très très gros aujourd'hui. On jette ensemble un œil sur l'évolution de la recherche et du développement de chacune des écuries. Voilà, vous l'aviez demandé, voici ce tableau. Avec, vous le voyez désormais, McLaren qui, depuis l'arrêt des recherches, se retrouve troisième force du plateau de cette saison 2016. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve, je l'espère, au plus vite pour vivre ensemble un Grand Prix du Mexique qui s'annonce aussi très, très, très disputé. D'ici là, portez-vous bien, bon amusement en piste et à la prochaine. Salut! From my night.